Allez, bande de feignants, dépêchez-vous, on est déjà à la traîne. Si un humain nous trouve, on est dans la merde. Murmure, Bifron et Bunet, le trio de la mort si je puis dire. En effet, ces démons règnent sur la mort. Nous avons donc Murmure, grand-duc, qui prend l'âme des morts, Bunet, grand-duc également, et Bifron, chevalier. Tous deux transportent les corps des morts d'une tombe à l'autre. Pourquoi ? Aucune idée. Mais attention, ne vous amusez pas à vous aventurer dans les cimetières la nuit. Car vous pourriez tomber nez à nez avec eux, et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de les déranger pendant leur travail. Passons au cas par cas pour en apprendre un peu plus sur nos trois compères. Murmure était un ange qui faisait partie de l'ordre des trônes et des anges. Il est ensuite devenu un duc et un comte en enfer à la tête de 30 légions. Murmure, appelé aussi Murmux ou Murmure, ou simplement démon du bruit. En même temps, si on s'en réfère à son origine latine, son nom veut dire bruit. Il a l'apparence d'un guerrier chevauchant un vautour ou un griffon, et sa tête est surmontée d'une couronne ducale. Il est souvent suivi par une multitude de trompettes, et sa marche est accompagnée par des bruits de clairons. Il contraint l'âme des morts à apparaître devant son invocateur pour répondre à toutes ses questions. Il enseigne également la philosophie comme personne. Bifron, chevalier de l'ordre de la Mouche, à la tête de 26 légions. Il allume les flambeaux dans les caveaux des cimetières et transporte les corps d'un endroit à un autre. Il enseigne l'astrologie, l'influence des planètes, les vertus des herbes, des plantes et des pierres précieuses, et il excelle en géométrie. Il n'y a pas de description très précise, on sait juste qu'il a une apparence monstrueuse. Et enfin Bunet, duc à la tête de 30 légions. Les démons qui le servent sont appelés les Bunis. Les Tartares les craignent, car ils ont la réputation d'être malfaisants, puissants et nombreux. Enfin, c'est des démons en même temps, difficile de s'attendre à autre chose. C'est néanmoins par ce biais, après les avoir apprivoisés, que les sorciers de ces peuples prétendent pouvoir lire l'avenir. Certains lui donnent l'apparence d'un dragon à trois têtes, dont l'une serait celle d'un homme. Plusieurs autres lui donnent toujours l'apparence d'un dragon à trois têtes, mais cette fois-ci, les têtes sont celles d'un homme, d'un chien et d'un griffon. D'autres encore le décrivent comme un beau cavalier portant une lance et un serpent. Quoi qu'il en soit, il aurait une voix charmeuse et diabolique, bien qu'il ne s'exprime que par signes. Il accorde à ceux qui le servent richesse et éloquence, répond aux questions qu'on lui pose, annonce les guerres à venir, et il est plutôt fidèle à ses engagements. Ensemble, ils ont une sacrée belle armée, 86 légions au total. Sachant qu'une légion est composée de 6666 démons, 6666 x 86, ça fait quand même 573 276 démons. C'est à peu près la population du Luxembourg, c'est pas mal. Donc les guignols qui font mumuse dans les cimetières, dérangez-les et vous allez avoir de sérieux problèmes. Sur ce, merci d'avoir regardé ce reboot d'Histoire de démons, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.